Et oui, bonne gueule à 10 ans. Peu de gens le savent, mais le premier article a été publié sur le site en juillet 2007. Et la chaîne YouTube n'est venue que bien des années après. Alors à cette occasion, j'ai eu envie de faire une vidéo un peu spéciale, mais je te rassure, on va quand même parler de vêtements qui me passionnent. J'hésitais entre te parler de mes souvenirs les plus marquants pendant ces 10 ans chez Bonne Gueule ou te parler de mes enseignements, entre guillemets, de mes réflexions qui m'auront fait le plus cogiter. Et ben j'ai pas réussi à trancher, donc du coup, on va faire un petit peu des deux. Le premier truc qui m'a vraiment fait réfléchir pendant ces 10 ans, c'est ce qui concerne la coupe d'un vêtement. Parce que pendant longtemps, je pensais que tu vois, faire une chemise mal coupée, ça coûtait le même prix que faire une chemise bien coupée. Parce qu'a priori, faire une chemise plus cintrée, mieux coupée au niveau des manches, il n'y a pas d'utilisation de matière en plus, donc normalement, ça devrait coûter le même prix. Et ben j'avais tout faux, vraiment. Parce que déjà, quand tu prends une coupe de chemise et que tu changes de matière, le vêtement ne tombe plus pareil. Soit tu vas avoir l'impression que ça va être plus serré, plus ample, etc. Et quand tu changes de matière, il faut donc revoir le patronage à chaque fois. Une bonne coupe, ça prend du temps à mettre au point. Sachant qu'entre chaque prototype, tu as bien 3 semaines d'attente, il te faut bien au moins 3 mois, si ce n'est plus, pour mettre au point juste la coupe d'un vêtement. Bah oui, il faut des gens très expérimentés pour mettre au point une belle coupe et leur savoir a forcément un prix. Toutes ces choses-là font qu'une très belle coupe, c'est plus cher qu'une coupe faite à l'arrache en 2 semaines avec un ou deux prototypes. L'exemple qui me vient en tête, c'est la veste phare d'Acronyme. Encore cette marque, la fameuse J1AGT. Alors cette veste, elle a été mise au point pendant 3 ans, de 1999 à 2001, et elle s'est améliorée petit à petit, année après année, depuis quasiment 15 ans. Le deuxième truc qui m'a bien fait réfléchir pendant ces 10 ans, c'est qu'il y a un moment, bah, faut vraiment que tu construises ton propre goût. C'est bête dit comme ça, mais il y a un moment, il faut que tu traces ta propre voie avec tes propres goûts. Tu ne peux pas t'habiller toute ta vie uniquement avec des vêtements qui ont été recommandés par d'autres personnes. Moi, j'aide pas les hommes à bien s'habiller. J'aide les hommes à savoir ce que veut dire bien habiller pour eux et à choisir des vêtements de qualité en fonction de leur goût. Tu dois sortir rapidement des basiques tous portés ensemble. Alors, les basiques, c'est très bien, c'est très rassurant, mais quand tu les as tous portés sur toi, au mieux, t'as une tenue qui est très neutre, qui est très sobre, au pire, t'as une tenue qui est un peu triste et qui est un peu fade. Et je pense que c'est pas à la hauteur de ta personnalité. Donc, par exemple, dès que tu peux, bah, investir dans une paire de chaussures avec un parti pris un peu plus fort au niveau du design ou avec un blazer avec une couleur plus originale que d'habitude. Si tu veux approfondir le sujet de comment développer ses goûts personnels pour ton style, on a fait pas mal de contenu là-dessus et je te mets tout en description. Et pour finir sur ce point, quand j'ai demandé aux créateurs de vêtements que j'aime bien quel conseil donnerait un homme qui n'y connaît rien, et ils m'ont tous donné la même réponse et spontanément. Ils m'ont tous dit, bah, le plus important, Benoît, à mon sens, la première chose à faire, c'est de se connaître et de s'assumer. Que ce soit Mathieu de Ménonville de la marque édition MR, de Nicolas Gabard de Husband ou de Benoît Carpentier de Marchand à pied, ils m'ont tous dit ça, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Pendant ces 10 ans, je me suis aussi beaucoup pris la tête sur des concepts vraiment importants à connaître, les concepts de base, et j'aimerais les résumer très rapidement ici. Donc tu as d'abord les couleurs de base du vestiaire masculin à maîtriser, qui sont le gris, le blanc, le bleu, le beige et le kaki. Alors pour info, c'est les couleurs de la nature d'ailleurs. Ça peut te paraître limité, mais je t'assure que si tu joues sur les variations de teintes, de textures, en fait tu as des possibilités qui sont vraiment illimitées. Ensuite, je me suis beaucoup penché sur le concept de pièces très polyvalentes qu'on peut porter avec tout, et c'est vraiment ce que je te conseille de trouver, c'est des vêtements que tu peux autant porter dans un style plus habillé que dans un style beaucoup plus décontracté. Et pour moi, le vêtement qui symbolise ça depuis toutes ces années, c'est bien sûr la chemise en chambray. Ensuite, tu as le concept des pièces fortes qui est un peu tout le contraire des pièces basiques dont je viens de te parler. Ces pièces fortes, elles servent vraiment à épicer ton look, à lui donner une vraie personnalité. Du coup, je te conseille de ne pas avoir peur de ces pièces fortes et surtout de ne pas hésiter à essayer sans acheter. Ça a été d'ailleurs l'un de mes grands conseils que j'ai pas arrêté de répéter pendant toutes ces années. Ensuite, pour réussir une tenue, j'avais beaucoup réfléchi à un concept de contraste. J'avais d'ailleurs appelé le zen de la mode, je crois, où on mélange une pièce formelle et une pièce décontractée. Et je suis sûr que la plupart des tenues que tu vas intuitivement trouver réussies reposent sur ce concept. Tu vas avoir une pièce très simple, très neutre, mélangée avec une pièce beaucoup plus forte. Ensuite, je me suis beaucoup penché sur le concept d'inattendu dans une tenue. Parce que je pense que pour exprimer ta personnalité, c'est bien d'avoir un peu d'aspérité, d'avoir un grain de folie, quelque chose qu'il y a nulle part ailleurs. Et le plus souvent, ça se traduit par des accessoires. Le quatrième enseignement que j'ai appris pendant ces 10 dernières années, c'est qu'une belle matière, ben, ça coûte forcément cher. Je sais que ça paraît bête dit comme ça, mais je t'assure que j'ai vraiment mis du temps à le réaliser. Dès que tu veux une belle texture, une belle couleur, des mélanges de fils un peu originaux mais bien choisis ou une main magnifique, bah, il faut y mettre le prix. C'est ce qui fait qu'un pantalon peut coûter 50€ ou 550€. Ça, je m'en suis rendu compte quand on a créé notre marque de vêtements Bonne Gueule. On a regardé plein de matières de plein de prix différents et après avoir regardé des matières haut de gamme, on a essayé d'avoir des choses assez similaires dans des prix plus accessibles. Mais franchement, c'est pas possible. Parce que en dessous d'un certain prix, impossible d'avoir de la créativité et du savoir-faire. Par exemple, les tissus de costume Ferla sont clairement dans le haut du panier, presque deux fois plus cher qu'une laine de costume tout à fait correcte, mais en termes d'aspect, de rendu et de main, ça n'a rien à voir. Je vais maintenant te parler de mes souvenirs les plus marquants chez Bonne Gueule. Alors le premier qui me vient en tête, c'était avec une marque de jeans qui s'appelait Rensen, qui existe toujours, hein, la boutique qui est près de République, qui fait de très beaux jeans japonais en toile haut de gamme. On a fait cette collaboration, on avait commandé 150 pièces et on s'attendait à ce que ça parte soit en plusieurs semaines ou en plusieurs mois. Bah, le truc, c'est que c'est parti en 24 heures. Donc du coup, on s'est retrouvé à
avec 150 jeans à expédier. Et à l'époque, Geoffrey était en Thaïlande en vacances et il m'avait prêté son appartement et j'étais avec Nicolas qui travaillait pour nous. C'est là où on a fait notre première expédition, on a pris 150 jeans, on les a mis dans des enveloppes. Et il faut savoir que Geoffrey, il avait un petit studio, il n'y avait même pas de table basse, de chaise, de table, il n'y avait rien. Donc on était assis par terre ou sur le canapé. Et pendant 2 jours, on a mis des jeans dans des enveloppes. Et pour la petite histoire, ce jean, il avait été shooté pendant notre road trip aux États-Unis qui avait eu lieu 2 ou 3 mois avant. Et il avait été pris en photo en majorité avec un iPhone 4S. Et aujourd'hui, quand je revois les photos de ce shooting, tu peux les revoir aussi. Je trouve qu'il a pas si mal vieilli que ça en fait ce shooting. Même si ça a été pris avec un téléphone, il y a ce côté très, très brut que j'aime bien en fait. Le deuxième souvenir marquant pour moi, c'est notre collaboration avec National Standard. Notre première collaboration qui était sur nos sneakers mi-montante à Zip, qui avait eu un énorme succès. Je crois qu'on avait vendu pareil les 300 paires en un week-end. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était encore nous qui faisions la manutention. Et 300 paires, je t'assure que ça prend beaucoup de place. Et Geoffrey et moi, pendant un week-end, on s'enfermait au bureau où on a pris une boîte à chaussures et on la mettait dans une autre boîte en carton. On a fait ça pendant 2 jours et c'est cette collaboration qui a bloqué le carré pro de la poste de Bourse où on était. Troisième souvenir qui m'a vraiment marqué, c'était le Tour de France fin 2015. En fait, on est allé à Lyon, à Lille, à Toulouse et à Nantes rencontrer les lecteurs, donc c'était super, on a eu beaucoup de retours, de témoignages, on s'est aperçu qu'on avait tellement de gens variés qui nous suivaient. On a eu même une fois un père et son fils qui sont venus nous voir pour les deux en acheter un vêtement. C'était à la fois très cool, très fort, parce qu'il y a tellement de gens qui nous lisaient depuis plusieurs années et qui sont venus me voir en disant « mais merci pour tout ce que vous m'avez apporté, c'était génial ». Et c'était à la fois aussi épuisant, parce que pendant 4 semaines ou 5, j'ai eu 0 week-end et 2 jours de repos. Mais on a reçu tellement de soutien, il y a d'ailleurs des lecteurs qui sont venus avec des cadeaux pour nous, des cadeaux de leur région. Tellement de soutien, tellement de conversations, enfin c'était super fort quoi comme expérience. Et si c'était à refaire, je le referais vraiment sans hésiter. Le quatrième souvenir marquant, il n'y en a pas un, mais en fait il y en a deux. C'est les collaborations qu'on a faites en 2016. D'abord il y a eu Marichy. Alors Marichy, pour moi c'était une marque que je pensais inatteignable, inaccessible, parce qu'elle a une liste de collaborations avec des marques prestigieuses qui est vraiment longue comme le bras. Et je me disais, mais ils voudront jamais collaborer avec nous, on n'est pas assez mondial, on n'est pas assez prestigieux. Et donc t'imagines bien ma joie quand on a reçu le mail où ils ont dit « Ok, ça nous intéresse ce que vous faites ». Donc on est allé à Londres dans le flagship historique, on a tourné la vidéo de présentation et c'est une vidéo que tu peux encore revoir d'ailleurs. Je me suis dit « Je vais pas m'arrêter », je me suis jamais dit en fait « Ça va être trop long, ça va faire chier les gens et tout ». Je me suis dit « Non, ça faut que je le dise, donc je vais le dire ». Et ça a été comme ça tout le long de la vidéo et je pense que c'est une vidéo que j'ai bien dû mettre 3 heures à la préparer, juste tout ce que j'avais à dire. Et pour l'article de présentation, j'ai passé aussi énormément de temps, je crois que j'ai dû passer 20 heures sur la rédaction, dont une journée entière consacrée uniquement à la recherche d'informations, c'est-à-dire que j'ai collecté tous les points importants que je voulais t'expliquer, te raconter. Et je suis très heureux de cet article, pour moi c'est l'un des articles en ces 10 ans dont je suis le plus fier. Et le jour du lancement, j'étais pas très serein parce que bon, tu vois, c'était un pantalon qui était quand même à 185 euros, qui avait des fonctionnalités, une coupe particulière. J'étais pas serein, bref, parce qu'on n'avait jamais vendu un pantalon avec une coupe aussi particulière, aussi clivante et pas à ce prix-là. Et ben finalement, c'était l'un de nos sold-out les plus rapides et ça m'a vraiment conforté sur votre ouverture d'esprit, vous tous en tant que lecteur. Et ensuite, il y a eu Nismain. Nismain, c'est une marque de maille qui fait des pulls et des cardigans, avec qui on a fait une collaboration sur un cardigan un bleu d'Onégal qui est sorti à la rentrée 2016. L'histoire de Tarlac, donc, qui est le fondateur de la marque, c'était vraiment une histoire très touchante qu'on a adoré raconter dans un article. Et ce dont je me souviendrai toujours, c'est le voyage pour aller sur cette île, parce qu'en fait, il faut prendre un petit avion de 6 places, chaque passager est pesé avant d'embarquer, et donc c'est comme tu peux voir dans la vidéo, t'atterris sur cette piste d'atterrissage. Et ce plan-là, en fait, tout le monde s'en souvient. Cette île qui se dessine, où l'avion il s'approche doucement de la piste, tout le monde s'en souvient. Et il faut savoir que le fils de Tarlac a un hôtel assez haut de gamme sur l'île. En fait, il a pris la philosophie de la marque de son père, mais à de l'hôtellerie. Donc il a essayé de faire un truc assez pointu. Cet hôtel, il a un décor qui est très contemporain. Tu avais le soleil qui se couchait sur la grande baie vitrée. Et c'était un moment qui était très fort, où Tarlac il nous raconte son histoire, etc., qui est extrêmement touchant, qui est très inspirante. Et pour moi, c'est un moment avec un créateur qui m'aura le plus marqué, vraiment. Dès qu'on a publié cette vidéo, c'était incroyable de voir un tel engouement. On a eu vraiment beaucoup de commentaires. On a eu, je crois, plus d'une centaine en moins de 24 heures, ce qui est beaucoup pour nous sur un article. Et le sold out a été très rapide. Je crois qu'en moins de 24 heures, tout était plié. J'espère vraiment revenir sur cette île et te ramener encore plus de son ambiance si particulière. Et le dernier souvenir que j'aimerais partager avec toi, ça a été l'ouverture de notre première boutique à Paris. Quand on a pris nos bureaux, je ne réalisais pas encore ce qui se passait. Pareil, quand on a eu nos premiers stagiaires, nos premiers employés, nos premières collaborations, notre première marque de vêtements, etc., je ne réalisais pas encore tout à fait vraiment. Quand on a eu les clés, j'ai pas réalisé. Quand on a visité la boutique complètement vide, j'ai pas réalisé.
réalisé. Et quand je suis entré et que j'ai vu cette boutique toute neuve aux couleurs de Bonne Gueule, quand j'ai vu le logo accroché au mur, quand j'ai vu le nom, là vraiment ça a été un gros choc. Et tout ça vraiment c'est grâce à vous, parce que s'il y avait personne pour lire nos articles, s'il y avait personne pour regarder nos vidéos, et s'il y avait personne pour acheter nos vêtements, mais je serais pas là en train de te raconter tout ça. Donc cette vidéo, c'est aussi l'occasion de te dire un immense merci de ta fidélité. Et je sais ce qu'on a fait en 10 ans, j'ai aucune idée d'où on sera dans 10 ans, mais j'ai hâte de faire le bilan en tout cas. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me rappeler de tout ça avec toi. Donc si ça t'a plu, mets un pouce bleu, et surtout abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains contenus qui vont arriver, et j'espère que ça va encore durer pendant très longtemps. À bientôt.